tenais en tant que maire, avait en présence de mon adjoint chargé des sports à se remettre cette médaille pour les 30 ans de bénévolat. 30 ans où tu as mis en place l'aïkido à Comac et que tu as travaillé pendant ces 30 ans en tant qu'animateur, en tant que formateur au niveau des adultes, des enfants du village, et aussi pour tout le travail que tu as effectué au niveau de la mairie par rapport aux différentes associations, c'est-à-dire au niveau du suivi des dossiers aussi, de tout ce qui a été mis en place au niveau de l'infrastructure sportive durant ces 20 ou 30 dernières années, puisque la mairie est arrivée à peu près dans ces temps-là aussi. Donc aujourd'hui, on te remet la médaille de la ville de la Comac, de Comac, pour tout ce travail et le bénévolat que tu as bien voulu mettre en place pendant toutes ces années. Donc félicitations. Merci. Et puis, bravo pour cette médaille. Donc, je crois que je voudrais surtout remercier la mairie pour le soutien qu'ils nous ont apporté jusqu'à présent. Sans la mairie, on n'aurait pas eu les dojo. Donc, je voudrais remercier la mairie pour ça. Et on a une petite salle petite, mais suffisante pour nous et très confortable. Donc, tout le monde s'y sent bien. Et voilà. Merci à tous et merci à mes camarades de club aussi. Ouais, ça c'est nous. Ouais, super. C'est vrai qu'il fallait ce fameux club qui était venu, ça fait quand même 30 ans. Ce club qui est venu sur Comac Aïkido, et ça fait créer une deuxième salle d'arts martiaux qui est aujourd'hui et maintenant ça tourne à 100% à Comac. C'est grâce un petit peu le club de l'Aïkido. Parce que sans ce club-là, l'Aïkido, peut-être aujourd'hui on n'aura pas cette deuxième salle. Ça a quand même un coût important pour la commune. Maintenant qu'il est là. Encore une félicitation. Thank you.